Et salut tout le monde, c'est Ryder, comment allez-vous? On va faire les défis pour aller chercher D-Wade Améthyste. Du coup, bien évidemment, j'ai fait déjà 3 matchs. Hein, on est là-haut. Je sais, on fait un peu dans le désordre et tout, mais on fera tous ces défis-là de toute façon en vidéo à chaque fois avec le dernier match pour avoir la carte récompense. Et nous, on va le faire. On va commencer par. On va commencer. On va commencer. On va continuer avec les hits. Puis après, on fera les Spurs et tout. Bon, même si c'est dans le désordre, c'est pas grave. Pour aller chercher D-Wade. Donc là, on va voir la carte récompense. Je ne sais pas c'est qui, puisqu'en français ça bug. Et voilà, voilou. Alors, petite nouvelle. J'ai acheté des MT. J'ai craqué, les gens. J'ai acheté des MT, les gens. J'ai craqué. J'ai craqué. Du coup, j'ai acheté Bill Russell, MVP. Et j'ai acheté Hakeem Olajuwon, en plus qu'il a un contrat illimité sur lui. Donc je les ai achetés full insigne. Du coup, c'est cool quoi. C'est cool, c'est cool. Et j'ai même acheté Abdul-Jabbar qui est en vente puisque j'essaye de le revendre plus cher que le prix où je l'ai acheté. Bon, du coup, je dois avoir 8 joueurs des hits dans mon équipe, comme vous le savez. Et voilà, nous on va lancer notre match. Boum 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 boum. Et je sais pas qui on va avoir comme carte récompense ici. Vous pouvez voir les scores des 3 matchs, hein, 73-44, 70-51, 81-63. Et bien évidemment, je vais gagner ce match. Putain, votre formation ne remplit pas les critères. Alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être un joueur de hit en moins. J'ai dû retirer un joueur des hits. Donc on va mettre LeBron, hein. On va mettre LeBron. Non mais ah c'est LeBron des caps, c'est pas LeBron des hits. On va juste rajouter un joueur des hits, puis on va lancer. Puisqu'il faut 8 joueurs des hits, j'en ai que 7 là. Ah je peux remettre Alonzo Mourning. Ah ça me fait chier, j'ai enlevé Bill Russell. Je pourrais pas vous montrer. Ah faut que je vous montre Bill Russell. Faut que je vous montre Bill Russell quand même. Attendez, 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 attendez. Ata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 t
Ah, je troll un petit peu. Bon, allez, on va jouer un petit peu sérieux pour que ça soit. On va jouer normal, on va pas se prendre la tête. Puisque vous le savez, je vais le gagner de toute façon ce match. Mais bon, faut quand même offrir du beau jeu à nos téléspectateurs. Ou plutôt à nos YouTube téléspectateurs, YouTubeurs, truc bidule. J'ai essayé de trouver un mot avec téléspectateurs et téléspectateurs de YouTube, quoi. Donc, j'ai pas trouvé de nom. Allez, prends Don Jennings. Tu fais quoi, Jennings? J'aime bien ce maillot des hits. J'aime bien les maillots des hits en général. Des dernières années. Parce que les maillots des hits des anciennes années, je suis pas trop fan, quoi. Allez, vous. Putain, quand t'as Hakim Olajuwon et Bill Russell dans la raquette, forcément, là, ils font moins le malin. Mais là, il a fait le malin, mais il va se prendre une tatane dans la gueule. Regardez, hop, une petite isolation. Isolation, please. Merci, faites-moi un peu de place. Là, on le passe, tu vois, on le pousse comme ça. Et ça, c'est un petit complément que je n'ai pas rajouté. Je vais donner quelques conseils, pas comme avant, un petit peu moins. Mais c'est un complément que je n'ai pas rajouté dans la formation sur les doubles pas. J'ai pas vraiment réellement parlé des doubles pas avec contact. Mais quand votre joueur a beaucoup plus de force et tout que le joueur adverse, et bien vous pouvez faire des doubles pas avec contact comme je viens de faire avec LeBron. Ça passe. Et c'est pas un double pas forcément contesté. C'est un bon double pas puisque vous utilisez la puissance de votre joueur à votre avantage, tout simplement. Allez, Jason Kidd. Jason Kidd, j'ai pas trop joué avec lui cette année. Et quand j'ai joué en défi, je fais putain, mais j'ai raté quelque chose hein. Finalement, c'est un très très bon joueur. Regardez, on spin, on drive et puis on rate notre layup. Parce qu'il a une tête de cochon. Donc forcément, ça ne peut pas rentrer. À tous les musulmans qui ne mettent pas Jason Kidd dans leur équipe. Oh! La blague était nulle. Voire raciste. Non, elle est pas raciste. Oh là là, mais attendez. Ça c'est rare. Ça c'est rare, vous voyez bien. Ça c'est rare. On va mettre au ralenti. Et là. Regardez Jennings, il a fait son malin tout à l'heure. Je lui ai dit que la raquette, tu pouvais pas passer. Et là, mais donne-moi le ballon, petit enfant. Donne-moi le ballon. Tu n'es qu'un gosse de 20 ans. Non, c'est moi ça, merde, c'est moi. J'ai pas 20 ans, j'ai 21 en plus. Allez, petit écran. Hop. Par contre, les lancers francs avec Bill Russell, il a un bon timing. Assez sympa à maîtriser. Mais par contre, la note, c'est pas trop ça. Bon, le pire, c'est André Drummond dynamique. Hein. Je crois qu'il a 32. 32 au lancer franc, Drummond dynamique. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Je sais pas c'est quelle carte qu'on aura en récompense ici. Mais de toute façon, nous, notre but c'est d'avoir D-Wade. Et je vais vous montrer quelque chose à la fin de la vidéo. Une fois qu'on aura terminé le match, hein, j'ai pas parlé. J'ai avancé dans le My Team sur d'autres défis que je ne vous ai pas encore parlé. Mais je vous en parlerai, c'est promis. À la fin de la vidéo. Allez, Hakim. Alors, Hakim, il fait hop. Tu vois, oh putain, j'ai fait de la merde. On va recommencer. Oh, mais remets-toi au poste. Allez. Oh, c'est compliqué. Allez, on va mettre une petite feinte pour essayer de faire reculer. Non, ça passera pas. Bon, c'est pas du beau jeu pour l'instant. Ça force de troll et de parler comme un gogol. Ça passe, ça, Ellis. Bien joué, Monta, Ellis. De l'autre côté, s'il te plaît. Vas-y, coupe, hein. Allez, Bill Russell, t'as un tir de près. Ouais, on est plus à mi-distance que près, mais ça va, ça compte aussi. Et c'est rentré. Facile. Allez, Jason, l'enfant. Ah, t'es face à Moncrief, défenseur de l'année. Tu passeras pas. Bien défendu ça les gens, c'est bien défendu. Allez, on part en contre-attaque. Moncrief. Oh, peut-être aller où pour LeBron. Allez, boum, voilà. Hein, parce qu'au début de match, l'autre il nous a bâché, l'enfoiré. J'étais en mode I believe I can fly. Maintenant je peux. Jennings. Brandon Jennings. Alors j'ai pas mis le Durant MVP. Ah non, j'allais vous parler de Durant. En fait dans les défis je mets Durant normal puisqu'il a encore masse contrat. Le Durant normal, hein, pas ni dynamique ni du MVP. Et comme il a encore masse contrat, bien je l'utilise pour finir ses contrats dans les défis. Sachant que je n'ai pas besoin d'avoir des gros joueurs, comme je vous l'ai dit. Il passe à terre. Oh non, putain la vache. J'ai voulu le poster, tu vois. Mais ça n'a pas marché. Il a bien défendu. Par contre là. Ouais. Pas super bien défendu. Allez, Moncrief, court, Moncrief. LeBron James. LeBron. Voilà, on le pousse, tu vois. Mais on rate. Puisque là, c'était mal utilisé finalement. Très mal utilisé ce layup avec contact. Allez, Brandon, donne-moi le ballon, non. Bon, je troll un petit peu. Je crois que vous m'avez jamais vu, je crois, en match totalement sérieux. Où j'étais super concentré. Où je faisais un jeu où je gagnais 30 points à chaque fois.
Vous me verrez peut-être, je ferai peut-être des épisodes un peu spéciaux, mais je parlerai moins du coup. Puisque pour me concentrer, moi, je ne parle pas trop. Je concentrerai dans mon match, hop. Puis après, je les défonce, tu vois. Et généralement, les défis là, je ne joue pas. Les trois premiers cartons, je joue à l'arrache. En fait, je me prends vraiment pas la tête, je joue comme ça. Et puis au dernier carton, si j'ai besoin de prendre de l'avance, là, je me concentre juste au dernier carton et je prends 20 points. Donc c'est marrant. Whiteside, donc vous avez vu Monsieur Ryder, donc moi, contre les Whiteside sur la nouvelle série coop, hein, qui est franchement super intéressante. Et je pense que sur YouTube, il n'y a pas déjà en France, je pense qu'il n'y ait personne qui ait lancé une série similaire, hein. Du coup ça fait un peu d'exclusivité sur la chaîne Ryder & C, et notamment Ryder & Carlito pour la série coop. Allez, petit écran de Chris Bosch. Ouais. Oh, t'aurais pu couper, Chris. Mais t'aurais pu couper, voilà. Coupe, coupe, coupe. Voilà, Chris Bosch. Ah, Chris Bosch. Par contre, Miami, ils vont avoir besoin de Chris Bosch cette année, hein. Ils vont avoir besoin de lui pour les playoffs. S'il n'est pas là, eh bien, je pense que leurs chances sont réduites quand même pas mal. Donc, j'ai pas regardé l'état de la blessure de Chris Bosch. Faudra que je me renseigne dessus. Mais s'il est pas là pour les playoffs, ça va pas être bon, ça. Allez. Dwayne Wade. Non. Je sais pas. Tu vois les buzzers à la fin. Vous voyez? Eh bien, vous avez plus de chances de les rentrer sans timing qu'avec un timing. Hein. C'est réaliste. C'est... Voilà, c'est le jeu. En fait, il vaut mieux tirer vraiment à la toute dernière seconde où il n'y a pas de timing et balancer le ballon comme ça d'un coup. Et vous avez plus de chances de le rentrer si c'est contesté, en fait. Voilà, donc c'est un peu con, mais c'est bien la vérité. Allez, mon Kriff qui demande une isolation, mon Kriff. Oh merci. L'autre, il a fait un écran à son pote, bravo. Il a fait un écran à son pote. Je sais pas à quoi il sert ce type, mais pas grand chose. Dragic, je suis pas fan de Dragic, hein, dans le jeu. En vrai, je l'aimais bien aux Suns, puis après aux Hits, beaucoup plus de mal. Hein, depuis qu'il est parti des Suns, déjà, c'est plus le même Dragic qu'on retrouve. C'est un peu comme Kevin Love quand il est parti à Cleveland. C'était plus le même poste, plus le même rôle. En fait, il devait arriver comme une star quand même, hein, à Cleveland. Puis il a dû changer son jeu, du coup. Ce n'était plus une star. Alors, de l'autre côté, là. Oh putain, il fait de la merde. Je voulais faire une passe. J'ai dribblé et il fait la passe trop tard. J'ai dribblé dans ses jambes. Hey Jennings! Jennings! Put your hands up, Jennings! Allez, on défend. Avec Alonzo Mourning. Ah, il est efficace, Alonzo Mourning, hein. Maintenant, j'ai changé ma raquette, du coup, mais... Il était titulaire, mon Alonzo. Ou il était titulaire ou remplaçant, ça dépendait. Plus remplaçant, mais il était toujours dans mon équipe. Avant que j'achète DMT et que je craque complètement. J'ai craqué, les gens. Vous savez, j'ai craqué. Oui, j'ai craqué. J'ai acheté DMT. Oh, Eurostep! Alors, faut savoir que, quand même, l'Eurostep, Dwayne Wade, il l'utilisait beaucoup, hein. Hein, avec Manu Ginobili, c'est les deux personnes qui... Quand on parlait de l'Eurostep, on parlait de deux. Ginobili, et surtout Ginobili, hein. Et D-Wade qui l'utilisait beaucoup et avec efficacité. Allez, Jason l'enfant. Jason l'enfant. On défend. Alors, Jason Kidd, c'est un putain de défenseur. Mais j'ai trop sous-estimé en fait. Il a un shoot assez. Il a un timing de shoot un peu merdique. Mais sinon, le reste, il a masse défense. Il intercepte sa mère et il organise super bien. Et aussi, il pénètre pas mal. Hein. Allez. Allez, Morning Coupe. Voilà. Allez. Je sais qu'il y avait quelqu'un devant moi, mais. Je suis quand même allé. Moi, j'avais envie de rentrer dedans. Un timing vert, boum. Tant mieux. Rentrer un timing vert à Calonzo parce que 65 quand l'on sait franc. Donc, normalement, il a 66. Mais bon, avec la fatigue, les stats baissent un peu. Jennings. Monsieur Monta Ellis. Il monta, puis il descendit. Ah, s'ils loupent leur shoot ouvert, ça va pas le faire pour eux. Hein. Allez, petit alley-oop. Oh non, mais non, mais non. C'est bien ça, Alonzo. Allez, il est tout seul. Oh, il a fait un petit saut de con. Voilà. Quand il a réceptionné le ballon, il a fait un petit saut. Je me demandais si je pouvais marquer derrière. Et j'avais le temps, finalement. Bon, allez, fais ton écran. Moi, je te contourne. Hein. Tu veux faire quoi? La 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 la. Monta Ellis. Qu'est-ce que tu vas faire? On défend, on défend. Voilà, salut. Allez, contre-attaque. Allez, Wade, faut courir là. Allez, c'est pour LeBron.
comme à l'ancienne. Oh putain. Ouais, c'est mal géré ce que je viens de faire. Par contre, y'a... Oh putain, j'ai pas réussi à l'avoir. Passer d'impulsion dans les jambes. Ah, j'aurais dû le mettre, tes chaussures de boost en vitesse. Tu vois, il l'aurait bâché. Oh, on va faire un peu d'Hakim, hein. C'est pour vous les gens. Un peu d'Hakim. Oh, la Joanne fait le pressing. C'est ça pour le mettre au poste en fait. C'est un peu... Par contre, je vais me prendre des 3 secondes avec ces conneries. Oh bah. Oh, le mismatch, mon gars. Comment je loupe ça? J'ai pas le droit de louper ça. J'étais en mismatch total. Et j'ai loupé le truc impossible à rater parce que j'ai fait de la merde. J'ai fait vraiment de la merde. C'est ma faute. Je ne loupe pas ça d'habitude. Je suis déçu là. Je suis déçu. J'ai perdu toute crédibilité sur la formation sur le jeu au poste. Qui pour moi n'a pas assez de vues à l'heure actuelle. Au moment où je sors cette vidéo. Ou que je tourne cette vidéo plus précisément. Même si je les sors généralement. Je tourne et je sors assez rapidement. Normalement mes vidéos. Ça dépend le montage qu'il y a à faire. Boum 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 boum. Je vais pas refaire la passe. Mais il est en mismatch. Pourquoi il est en mismatch comme ça? Regardez, on va faire ça, hein. Bon, allez, hop. Il est malade, il a la grippe. C'est pour ça, il a la grippe, Olajuwon. C'est pas ma faute, il a la grippe. Allez, contre-attaque. Allez, allez. Ça rentre, ça. Voilà. C'est mieux. On va passer, hein, le ralenti. De toute façon, cette année, les ralentis sont dégueulasses, hein. Je ferai une vidéo, j'en ai parlé, il me semble, où je parlerai de l'évolution de Touquet. Ah, je parlerai juste d'évolution par rapport aux anciens Touquet, où ils se sont améliorés, où ils ont pêché, et où ils devraient... qu'est-ce qu'ils devraient voir pour l'année prochaine? Enfin, qu'est-ce qu'ils devraient, c'est un grand mot, hein. Ça va être subjectif, mais je vais avoir un côté objectif. Allez, Dwayne Wade, timing vert, c'est bien ça. Dwayne Wade! Ah, il fait partie des... On pourrait classer dans les 5 meilleurs arrières de tous les temps, petit Wade, hein. Je sais pas. Franchement, en arrière, on a eu qui? Jordan, Kobe en 2, Drexler, dit Wade. Après, on a eu des gros arrières, mais Iverson, hein, que je considère plus comme un arrière qu'autre chose. En style de jeu, du moins. Boum, 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 boum. Oh, Bill, allez, Bill. Hop, feinte, voilà. Oh, par contre, il y a l'autre derrière. Oh, je suis un peu de la merde à l'intérieur, hein. D'habitude à l'intérieur je domine, mais là c'est vraiment du mauvais jeu que je propose. C'est tellement forcé. Oh bien joué ça. Oh bien joué. Par contre je te fais pas la passe, j'ai pas envie. Et boum. Moi j'ai envie de dunker, tu vois. Et je sais que Jason Kidd n'ira pas au dunk. Jason l'enfant. On va l'appeler comme ça sera plus simple. Même si Kidd, c'est pas très dur à dire. Allez Bill. Ah, Bill Russell est sous-estimé, hein, complètement. Le mec, il ramasse tout l'air bon, il domine sous la raquette, il va super vite. Et c'est un pivot qui ne coûte pas très cher en My Team, du moins sur PC. Il est complètement sous-estimé, puisque la majorité des gens qui jouent, hein, aux jeux vidéo comme celui-ci... Oh tiens, on va faire un petit truc à deux là. La majorité des gens qui jouent ne connaissent pas forcément l'histoire de la NBA et les joueurs historiques, les légendes quoi. Même si forcément c'est des époques différentes, c'est que si on mettait des joueurs d'une époque différente sur le même terrain, on ne sait pas ce que ça donnerait et on ne le saura jamais de toute façon. Allez, oh bah, oh j'ai envie. Allez, on va prendre des 8 secondes. Allez, une petite isolation. J'ai envie, petite iso avec Monsieur Brown. Oh, il m'a. Oh bah, merci ça. C'est sympa, merci. Voilà, avec LeBron nous a tiré tout le monde. Ils voyaient LeBron attaquer le cercle, qui font tous sur LeBron. Et du coup, voilà, tout le monde est tout seul, tu vois. Facile. Ah, quand vous attaquez le cercle, généralement, ça attire quand même pas mal la défense. Dans tous les cas, que ce soit LeBron ou quelqu'un d'autre. Et même en ligne, hein, ça attire pas mal la défense. Et du coup, si les joueurs restent écartés, les autres, hein, eh bien, vous faites une extra passe et c'est terminé, quoi. Une passe, hein, une passe, même pas une extra passe, c'est plutôt, pour moi, une extra passe, c'est autre chose. Allez. Par contre, c'est Alley-Oop Contest, là. Alley-Oop Contest. Avec D-White et LeBron. Comme c'était le cas, au cave. Mon premier mi-temps terminé, hein, easy. 57% de réussite au tir. Normalement, je suis plus dans les 70% quand je me concentre et que je fais pas le con. Bon, là, je fais pas vraiment le con, là. Je joue normal. Je joue sans me prendre la tête, mais je veux dire, je joue pas ultra concentré. De toute façon, même quand je suis tout seul sur ces matchs-là, je me concentre pas, je n'ai pas besoin. Par contre, la passe... Elle est pourrie.
Oh putain, la deuxième passe, elle est pourrie. Formation sur les passes. Faites des passes comme ça pour perdre le ballon. Si vous voulez battre le record de perte de balles en carrière. Eh oui, un record pour les pertes de balles. Kobe, là. Chez les Lakers, il me semble. Donc, hop step, on feinte, il saute. Et derrière, il y a le petit que j'ai pas vu. Mais bon, il est tellement petit qu'il peut pas me défendre suffisamment. Bien évidemment. Et en plus, ça rime. Blanton Jennings, qui a une carte diamant. Il mérite pas sa carte diamant, ce type. Il mérite pas. Tu passeras pas, Jason l'enfant. Ah si, il l'a passé en plus. Oh là là, sur Bill Russell. J'avais pas les mains levées, hein. Du coup, c'était pas forcément contest. Oh là, on va dunker là. Oh, l'autre était derrière. Avec LeBron, pouvait rentrer dans le tas. C'est ce qu'il fait en vrai, de toute façon. C'est ce qu'il fait en vrai. Oh putain. Ah, bien joué ça. Pas mal ça. Jackson Foul. Oh, la jouette, il a pas marqué, hein. Mais on joue pas assez dessus. Je joue pas au poste là, j'ai tellement pas envie. On va jouer dessus, j'ai envie de jouer au poste un petit peu quand même. Allez, mets-toi au poste, vas-y. Hop, dégage. Dégage. Jason Kidd, dégage, merci. Bah attends, je vais prendre les 5 secondes, sinon on est au panier. On va s'en mettre, voilà. Chut, chut, chut. Oh, il a pas sauté. Bon, il a pas sauté, il a pas voulu sauter, alors. Ah, c'est bien ça. Oh là là, c'est tellement bien joué. Oh non, mais c'est. Alors j'étais double chaud patate. Mon timing n'était pas super, mais bon, j'étais quand même près du panier. Puis derrière, Bill Russell, j'ai voulu qu'ils prennent leur bon, mais il est parti, je sais pas, il est parti autre part, dans un monde meilleur sûrement. Elle me pousse pas, toi. Oh, Dragic, le retour de Dragic. Dragic avec la passe inutile pour LeBron. LeBron qui, oh, prise à deux. Regardez, prise à deux. Donc on va faire le tour rapidement. Hop, 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 hop. Oh, mon Griff, il a pas 3 points. Il a quand même 52, c'est pas mal, hein. On vient de mettre un 3 points avec mon Griff. Je mets des 3 points bizarres en ce moment, c'est bizarre. Hein, j'en avais même mis avec Mikan. Je sais plus si c'était en stream ou si c'était dans un épisode du Follow My Team. Je ne sais plus. Alors qu'il a 25, Mikan. Hein. Oh, la faute complètement inutile. Allez, Pature Ends Up, LeBron. 14 points, LeBron. Ah, j'avais mis pas mal de points avec Michael Jordan, hein, dans l'ancien épisode. C'était un vrai carnage. Oh putain, ils ont bien joué là par contre. J'ai même pas suivi. Dragic pour LeBron. Pour Dragic pour LeBron. Oh, j'ai envie de dunker. Allez, une petite iso. Allez. Oh, par contre, ils défendent là. Dragic aux 3 points. Ça rentre ça. Voilà, ça rentre. Ça rentre. Tout le monde veut aller sur LeBron, forcément. Après, on fait tourner le ballon et on retrouve d'autres joueurs tout seuls. Tu vas faire quoi, Brandon? Tu vas faire quoi? Rien du tout, regarde, je me mets là parce que je connais l'IA. Forcément, ne faites pas ça si vous jouez contre un humain. Si vous voyez que vous défendez comme ça, il va aller de l'autre côté, hein, c'est sûr. Bon, allez, hein. Oh merde, j'ai fail. Putain, vas-y, claquette! Oh, dommage. Elle part bondi du bon côté. Mba Amouté. En gros, il est pas dangereux, lui. Ah, j'aime pas quand ils font ça. Regardez, vous faites ça et des fois, ils reviennent sur le joueur. Oh, je fais de la merde. Oh putain. Oh là là. Très mauvaise défense de ma part. Oh, très mauvaise défense de ma part. Goran, donne-moi le ballon. Allez, un petit screen de monsieur Whiteside. Allez, Whiteside, coupe. Oh putain, passe de merde, passe de merde. Pourquoi je fais une passe à terre là? Il n'y a aucune raison de faire une passe à terre et je sais que j'allais faire la passe de merde. Bien joué. Ah bah non, pas bien joué. Oh, il n'avait rien vu. Il y avait trop de vent, c'est pour ça. Il devrait instaurer cette musique, hein, dans les... Une musique complètement aléatoire. Lors des 24 secondes. Oh là là. Mon Tylis. Ah, allez, mon Griff. Allez, Chris Bosh. Allez, hop, on va tourner vite, voilà. Oh, pourquoi il est tout seul, Wade? Quoi, timing, il pue, hein. Mauvais timing de Ryder. Mauvais timing de Ryder. J'aurais faire The Voice ou La Nouvelle Star. Comme ça, je mérite tellement. La Star Academy.
Ah, je gagne direct là. Eh ben non. Allez, Wade. C'est pour. Bah, il veut pas avancer, Wade. Il a pas envie, Wade. Par contre, toi, t'es tout seul, mon Kriff. Oh, mon Kriff. Il feinte. Oh. Screen. On est parti sur une période où on fait que de la merde. Et 80% des personnes qui sont arrivées jusqu'à là viennent de quitter l'épisode. Mais non, il reste un carton. Quatrième carton, je vous ai dit, on va faire un carnage. On va se concentrer un petit peu, on n'a pas besoin, on a 9 points d'avance. Mais essayez de montrer un peu du beau jeu. Allez, ça rentre pas ça. Allez, salut. Allez, oh non, mais il est carré, Wade. C'est pour ça que je fais une passe de merde tout à l'heure en fait. C'était même pas de ma faute. Enfin, c'est de ma faute, mais sans être totalement de ma faute. Goran Dragic. Bien joué, Goran. Goran Dragic. Un bout de chocolat. Olé. Alors, je suis pas trop fan du chocolat, olé. Mais, t'es fin. Moi, je mange, mais je croustille pas, hein, vous voyez. Mais il y a des personnes qui vont me dire, t'as de la chance, mais à 21 ans, ressembler à un ficello, c'est pas facile. Enfin, moi je vis bien, mais c'est un peu casse-couille des fois. C'est un peu casse-couille. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, Jason l'enfant, de retour. Allez, Jason l'enfant. Hop. C'est qui est là-haut là? Chris Bosh, oh Chris Bosh, il fait un cross à gauche. Il passe, il a fait là-haut, à Dragic. Bien évidemment qu'il part en fade, pourquoi? Pourquoi tu pars en fade away? T'es tout seul. Ah, le retour de Bill. Oncle Bill. Faut tuer Bill. Kill Bill. Oh, donne-moi le ballon. Oh putain, il m'a eu. Ah, j'avoue, il m'a eu. Ouais, là, il m'a pas eu. Oh, c'est Udo, mon copain. Udo, je t'aime. Oh, Udo, vous voyez la coop que je fais? L'année dernière, on le faisait. Et il y avait la fatigue l'année dernière en coop. Maintenant, elle y est quasi pas. La fatigue, elle est quasi inexistante. Et Udo, je contrôlais mieux que certains joueurs. Avec Udo, je faisais un carnage. Je prenais tous les rebonds, je mettais des points, je faisais des contres. C'était la folie. Ah, c'est bien, il est chaud. Plus 5 au lancer franc. Ah, c'est pas le cas là en fait. Pourquoi il a pas plus 5 au lancer franc? Il est chaud. Peut-être qu'il a 55 de base. Il semblait qu'il avait 60. Je sais pas. Normalement, quand il est chaud, il gagne plus 5 au lancer franc. Mais là, je sais pas. Soit il a plus 5, soit c'est moi qui déconne. Il avait pas 60 de base. Allez, rebond. Allez, Wade. Allez, faut que je tire. J'ai pas le temps d'aller au layup. Voilà. Ah, moi j'aurais pu faire un flotteur en fait. Pour éviter de tenir le ballon trop longtemps dans les mains. Mais bon, c'est quand même risqué de faire un flotteur comme ça à l'arrache. Même s'il y a personne. Allez, dernier carton, les gens. Et après, on va débloquer. Je ne sais plus quelle carte. Vous le verrez de toute façon. Vous voyez déjà dans le titre. Hein. Quelle carte est débloquée? Quel défi c'est? Oh non. On tourne bien. Oh, le timing il pue. Oh, ça rentre. Ah, le timing de Jason Kidd, il est assez lent. Et là il m'a un peu surpris sur le coup. Après, on est en All-Star. Du coup, en All-Star, ça va, ils sont pas trop exigeants sur le timing. Par contre, en Superstar, ça commence déjà à être un peu plus exigeant. Même si vous êtes seul, le timing, faut faire attention. Surtout si vous avez des stats de merde. Allez, on court! Il faudra que je cours tous les jours! C'est du Kyo, ça. Enfin, c'était. Oh, il y a eu un bruit dehors, ça m'a fait flipper. C'était Freddy Krueger, les griffes de la nuit. Ou c'était mon chat, il est horrible, mon chat. Faudra que je vous le montre un jour. Il est moche. Mais il est moche, c'est vrai. Un chat, c'est beau, normalement. C'est censé être beau. Bah, celui-là, il est pas beau. Je vais vous le montrer un jour, je vous dis. C'est Moshman. Le chat moche. Allez. Pourquoi tous ceux qui font des vidéos ont des chats? Je comprends pas. Allez, on pose le jeu. On pose le jeu. Par contre, mais pourquoi Jason Kidd, il est en arrière, là? Vas-y. Ah, vas-y. Ah, LeBron, il a envie d'isoler. LeBron James avec le cross et... Mais dunk! Mais t'as de l'espace, vas-y, mais t'as le panier! Casse-le en deux! Mais non, il est pas en vie.
Pourquoi? Oh putain, mais lui il a de la chatte, Sanders. Il tricote dans le racket. Là, il aurait dû perdre le ballon 100 fois. Il n'a pas perdu. Sanders. Avec tes lunettes. C'est un gros défenseur, Sanders, quand même. Bon, après, le gars il cassait plus les joueurs en deux qu'il ne défendait. Mais... Allez, vas-y, LeBron, utilise ta force. Utilise la force. On n'a pas profité de Olajuwon qui a rien fait du match, mais ça c'est de ma faute. Hein, faut pas se plaindre de Olajuwon. Hein. Parce que souvent on retrouve sur YouTube mais qu'est-ce que tu fais le joueur? Mais qu'est-ce que tu fais? Alors que c'est lui qui le contrôle, tu vois. Des fois c'est pas lui qui le contrôle, et là tu peux te plaindre. Et quand tu fais des bons timings et tout, tu peux te plaindre aussi. Pourquoi tu rentres pas ton shoot? Mais quand c'est de ta faute, toi. Faut avouer un petit peu, les gens. Eh hey, oh, on avoue pas assez. Hein. Comme ceux qui demandent le ballon à l'IA, qui la perdent et disent mais j'ai pas demandé le ballon, tu vois. Il faudra que je sorte une nouvelle série sur ça. Un petit spoil sur une nouvelle série que j'ai envie de sortir, qui n'est pas encore construite, qui n'est pas encore sûre. C'est 5 choses sur Touquet, tes 5 trucs sur Touquet, les 5 excuses sur Touquet, les 5 fails, tu vois, un truc comme ça. Les 5 trucs qu'on dit sur Touquet, ou les 5 erreurs que tout le monde fait, ou tu vois, ou je sais pas, je sais pas, des trucs comme ça, un petit top 5. Par contre, les 5 fails, tu vois, je pourrais sortir les mecs qui font toujours des spins dans les jambes, tu vois, comme ça. Ah merde, ouais, j'ai fait un demi-spin là. Oh, j'ai envie d'Akimé là. Akimé. Voilà, ça va mieux, Hakim. Tout à l'heure, t'avais la grippe. C'est bon, t'es plus malade? T'as pris des aspirines? Brandon Jennings, I want. Oh, Brandon, don't run. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vous montre ce que j'ai fait off-camera, on va dire. Parce que j'ai fait pas mal de défis. Vraiment pas mal, hein. Et des défis que je ne pouvais pas forcément vous montrer, puisqu'il fallait que je me concentre hard. Et. Oh putain, mais c'est pas possible ça! C'était des défis Hall of Fame, et en Hall of Fame, si je parle, eh bien, si je me déconcentre un petit peu, c'est la fin. Du coup, j'étais à fond dans les défis. Et je les ai gagnés, ta poule. Oh, ça c'est super ça! Oh la feinte! Oh! Oh! Super! Prendre des rebonds sur. Sur lancer franc. Alors là, ça tu te fais engueuler par l'entraîneur à la fin. Tu t'es fait prendre le rebond sur lancer franc. Normalement il sort là. T'as pas le droit. T'as pas le droit de te prendre des rebonds offensifs sur lancer franc. T'as pas le droit. Et ben là ils se sont donc pris hein, dans la tronche. Mais j'ai pas fait un beau jeu à l'intérieur. Sincèrement, tout ce qui est avec Olajuwon et Bill Russell, j'ai pas pu vous montrer du beau jeu. C'était assez horrible. Mais bon, vous inquiétez pas, dans un prochain épisode ça ira mieux. C'est juste parce qu'ils étaient malades, voilà, et je les ai fait jouer quand même pour vous montrer. Oh non! Dégage. Toujours le bruit qui fait que ça va contrer. C'est le... Tu vois, ça marche toujours. Si tu cries pas, ça marche pas. Allez, oh non. Le 3 points. Le 3 points qui va ne rien... Ça va rien changer à la game, de toute façon. Et je crois que c'est le match où on s'est pris le plus de points parmi les 3 que j'ai fait off-camera. Puisque je fais toujours le dernier match pour avoir la carte récompense. Ça sert à rien de vous montrer tous les matchs. Ça reviendrait tout au même. Allez. Alors, voilà, la prise tout terrain qui est complètement dégueulasse. Vous le savez, deux passes, c'est terminé. De toute façon, quand vous voyez ça, hein, le pressing tout terrain, je sais que je répète. Mais quand vous voyez ça, une passe en avant, c'est terminé. Quoi. Vous savez que vous avez gagné le match. Que votre action, vous allez la réussir... 9 fois sur 10 quoi. Allez Monta. Monta Ellis est face à Moncrief, le meilleur défenseur de l'année. Eh, tu vas pas faire ton malin. Eh petit con, Faut trash talk, hein. Comme ça ils vont rater leur shoot. Eh Udo, t'es pas beau. Eh t'es pas beau toi aussi. Allez. Rebound by Goran. Goran. Oh my god, Goran. Oh Goran. C'était une passe pour le banc. Goran, tu me déçois. Tu me déçois, Goran, tu savais ça? Allez, petit rent up, monsieur LeBron. Oh là 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 là, oh, il a Jason Kidd, il a sauté sur le ballon, mon gars, je vais rien demander. Allez, et là! Mais posserre-le! Allez, place un gros dunk! Pète-lui la gueule! Vas-y! Ah, ils ont peur de dunker des fois, ils ont fait non, pas moi. Penny, lui! Penny Hardaway, lui, il va, lui, il pète tout le monde. Il a poster des Abdul-Jabbar, des Hakim, des Shaq. Je vous dis, mon Penny Hardaway, il a poster tout le monde, c'est affolant.
même contre les amis contre qui je joue. D'ailleurs, je ferai des petites vidéos hein, contre mes amis qui ont des grosses équipes. Il y en a un qui a 5 diamants. Bon, il a 2500 cartes, le mec. Il a presque Hakim diamant d'ailleurs, l'enfoiré. Ou par contre, ça c'est Contest, voilà. Il y a quelqu'un qui est à côté qui m'a gêné. Du coup, c'est pas passé. Et l'année dernière, ça rentrait tout le temps, ça. Maintenant, si vous êtes contesté sur Alley-Oop, ça rentre très peu. Ça c'est dommage puisque ça rentre même plus du tout. Alors qu'en vrai, même si vous êtes contesté sur un Alley-Oop, allez, vous pouvez le rater, c'est normal. Mais c'est 100% du temps, si vous êtes contesté, quelqu'un vous touche sur l'Alley-Oop, ben il ne rentre pas. Et même des fois où c'est tout seul, il ne rentre pas. Oh, une carte bronze. Oh, oh, Lewis. Lewis, tu sors. T'avais une seule chose à faire. C'est marqué un seul point en contre-attaque. T'es devant le mec, mais tu fais quand même. Oh, il m'a poussé. Bonjour, je m'appelle Dragic. Allez, on va mener comme en vrai. En vrai, il perd 5 secondes. En vrai, il perd 7 secondes comme ça. C'est pour ça qu'on marque beaucoup plus de points dans le jeu qu'en réalité. Hein. C'est pas trop simu. Quand on joue 12 minutes, on va mettre beaucoup plus de points qu'une équipe en vrai. Puisque déjà, notre pourcentage est quand même souvent supérieur. Et puisqu'on joue quand même 4 fois plus vite qu'un match réel. Hein, on joue beaucoup plus vite. On n'attend pas 5 secondes avant de remonter le ballon. On envoie le ballon, on court comme des trisos. Et on a encore les 24 secondes. En vrai, ils arrivent, ils remontent la balle, il reste déjà plus que 17 secondes. C'est vrai, et le jeu est beaucoup plus posé. Généralement, on joue beaucoup plus vite. On joue pas vraiment. La majorité des gens ne jouent pas en jeu très posé, ils jouent très 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 vite. À la mode Warriors. Small ball, boum boum boum. Bim bam boum. Oh, j'ai envie de dunker. J'ai un petit iso, Oh, oh, oh putain, j'ai pas réussi à faire mon. Attendez, on va se rattraper. Bon, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Ah là, il a sauté. Ah, par contre, t'es parti en fade, mon petit Hakim. Fais attention à ça. Fais attention, mon petit Hakim. Attention. Bon, 8 secondes, hein, les gens. On va débloquer notre chère petite carte. Je sais pas c'est qui comme joueur, hein, puisque j'ai pas mis le jeu en anglais. Mais de toute façon, vous le voyez. Vous savez déjà. Moi, ça va être la petite surprise. Pour moi. Vous savez déjà. Bon, le brodome du match, hein, il n'est pas surprise. Hein. Pas de surprise. Ça, on passe, on s'en fout. Voilà, hop. Quittez le cabinet. C'est nul, putain, c'est nul. Allez. Je vous montre la carte et je vous montre les défis. Puis après, on va se quitter. Hein. On se retrouvera dans un autre épisode ou une autre vidéo ou une autre série. Enfin, j'espère bien. Ne partez pas. Hein. Abonnez-vous si vous voulez me suivre totalement. Donc, récompense. C'est une carte qui doit avoir 70 d'overall. Un truc comme ça, je pense. Allez. Qui est-ce? Norris Call 2013. Ok. On s'en fout. Voilà, et voilà, alors je vais vous montrer les défis. Alors défi 1, 2, 3, ça vous avez vu que j'avais déjà fait. J'ai fini les défis 4 en faisant le dynamique, en faisant le truc Hall of Fame là. Il fallait gagner 7 matchs d'affilée. Ou il fallait gagner 4 matchs. Non, c'était un BO7. Donc il fallait que je gagne 4 matchs. Donc j'ai fini les défis 4. Et défi 5, j'ai très très bien avancé, hein, hors caméra. Et il me manque plus que ça. Sauf que j'ai 12 joueurs récompense maintenant avec le joueur que je viens de débloquer. Il m'en manque un. Et une fois que je l'aurai, eh bien, comme on sur PC, il n'y a pas grand monde du coup, vous pouvez lancer contre un pote, il quitte 3 fois d'affilée. Comme ça, vous finissez le défi et vous avez la récompense et vous avez terminé le défi. Donc, une fois que j'aurai débloqué une autre récompense, hein, qui sera dans les matchs hebdomadaires, eh bien, je ferai ce défi. Et comme ça, on aura fini tous les défis de niveau. Et les matchs hebdo. Alors, les matchs hebdo, voilà. Hein, on en a pas mal à faire. Dans le prochain épisode, ça sera le 4ème match de ce défi là, hein, du prochain des hits. Comme ça on aura je ne sais plus qui, puis après on aura je sais plus qui, puis après on aura Mister Dwayne Wade Améthyste. Allez, cet épisode est maintenant bon, voilà, cet épisode est à présent terminé et nous on se retrouve dans le prochain et voilà. Bon, de toute façon, je les ai déjà dit, n'hésite pas à me suivre sur Facebook, Twitter, hein, pour toutes les infos, sur Twitch, même si je ne stream pas trop en ce moment, et on se retrouve bientôt. Ça fait 6 fois que je le dis. Allez, tchuss.